C'est confirmé, je vais vivre dans les chambres dont je vous ai parlé plus tôt. Donc là, je viens de l'intégrer il y a quelques heures. Mais du coup, voilà, je vous retrouve demain ou dans quelques secondes pour vous, pour mon départ au Japon. Et ça y est, on est le lendemain. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, ma chambre est vide, mes valises sont prêtes. Bon, finalement, ça m'a pris beaucoup de temps. Je savais que j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt que ça. En fait, moi, mon problème, c'est qu'il me faut toujours que j'aie vraiment le fusil sur la tempe pour faire des choses. Du coup, j'ai commencé beaucoup trop tard hier. Je crois que j'ai fini toutes les valises de nettoyer et tout ça. Il devait être pas loin de minuit, enfin, peut-être 11h, le temps que je prenne ma douche après. Et après, ce matin, je me suis levée à 4h du matin. Enfin, bon, je me suis levée entre guillemets parce que. J'ai peut-être dormi, j'ai somnolé, on va dire, 2h30 à peu près. Non, je me suis levée à 5h du matin. J'ai encore fini de préparer toutes mes valises. J'ai encore fini bah, de tout jeter, de tout rendre, voilà, ce qui me restait. Et du coup, là, il est 7h30. Je vais pas tarder à me mettre en route pour l'aéroport. Alors bon, c'est un petit peu tôt parce que mon avion, il est à 12h55, donc on va dire 13h. Du coup, je pars 5h30 en avance, sachant que normalement en bus ça prend à peu près 1 heure. Mais vu que je sais pas trop comment ce sera la circulation, en plus, je pense qu'avec tous mes bagages, ça va être un petit peu galère à aller jusqu'à l'arrêt de bus. Du coup, voilà, j'essaye de me prendre du temps en plus. Je suis déjà un petit peu en retard sur mon horaire, je voulais partir à 7h idéalement. Mais bon, je pense que là, si je pars d'ici 5-10 minutes, ça devrait quand même encore aller. Et par contre, pour faire les valises, mais c'était un casse-tête, pas possible. Franchement, je sais pas comment j'ai fait, parce que j'ai pas l'impression d'avoir acheté tant de choses, à part des manuels, mais j'avais amené des trucs pour étudier le japonais que j'avais donné à mes parents pour qu'ils ramènent en France quand ils étaient venus. Donc du coup, je pensais que voilà, la quantité de livres allait être plus ou moins égale. Mais finalement, j'ai galéré comme une malade à remplir mes valises. J'ai dû me débarrasser de plus de choses que je pensais. Et franchement, j'ai dû vraiment monter dessus pour les fermer. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. C'est toujours comme ça, en fait. J'ai l'impression de ne pas acheter grand-chose. Et au final, bah, mes valises se ferment pas. Voilà, bon, c'est un mystère. J'espère que ça va quand même passer à l'aéroport. Bon, après, comme j'ai 30 kilos, normalement ça devrait aller. C'est surtout les bagages cabine qui me font un petit peu peur parce que j'ai un gros sac, comme vous le voyez ici. J'ai ma petite valise qui est quand même bien pleine. Et j'ai ce petit sac encore pour mettre mon passeport et tout ça. Le truc, c'est que généralement, je laisse toujours un petit peu de place quand même dans mon sac au cas où pour le fourrer dedans. Sauf que là, en fait, j'ai plus de place du tout. Si je me fais allumer à l'aéroport, bah, je sais pas du tout ce que je vais faire. Il va falloir que je jette des trucs certainement. Je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bon, du coup, voilà, j'ai quand même hâte. Je suis quand même super contente de retourner au Japon. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'arriver chez ma pote et d'être tranquille. Parce que, en plus, donc là, je dois aller jusqu'à l'aéroport. Après, elle peut pas passer me chercher à cause de l'horaire de l'avion. Du coup, il va falloir que je prenne le train toute seule. Donc, avec de nouveau tous mes bagages. Je vais essayer de me prendre une carte SIM aussi à l'aéroport. Donc, du coup, voilà, j'ai encore pas mal de trucs à faire avant d'arriver chez ma pote. Voilà, j'ai juste hâte d'être arrivée au Japon et de me poser tranquille. Mais du coup, voilà, je vais me mettre en route. Ah oui, alors comme vous voyez, j'avais aussi un pull qui rentrait pas. Du coup, je vais le mettre sur moi. J'ai aussi ma veste autour de ma taille. Je pense que je la mettrai quand je ferai le check-in à l'aéroport. Franchement, à mon avis, je vais avoir super chaud en allant jusqu'à l'arrêt de bus parce qu'il fait déjà bien chaud dehors. Ça va être un petit peu le sauna. Mais bon, pas le choix. Je vais me mettre en route et je vous amène évidemment avec moi pour mon aventure au Japon. Bye! Bon, on va pas se mentir, c'était très galère avec mes trois grosses valises, surtout dans les pentes, mais j'ai réussi à arriver à l'arrêt de bus saine et sauve. Pas de bouchon non plus sur la route, donc finalement je suis arrivée à l'aéroport pas loin de 4 heures en avance, avant même l'ouverture du check-in. Alors bon, à part ça, pas grand chose à commenter, je reviens un peu plus sur mon voyage et mes premières impressions un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant, je vous laisse avec les images de mes premiers jours au Japon, qui sont en très grande majorité de la nourriture, désolée pour ça si ça vous intéresse pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins filmé que ce à quoi je m'attendais.
coup, alors, on est 2 jours après mon arrivée en Corée. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de temps. Je pensais filmer un petit peu plus à la base, filmer un petit peu tout mon processus de recherche d'appartement, mes impressions et tout ça. Sauf que bah, finalement, en fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivée, bon, déjà c'était un peu difficile de filmer mon arrivée et tous mes bagages. Je suis chez mon ami aussi maintenant, donc c'est un petit peu difficile de filmer, vu que bon, c'est dans son logement avec ses enfants et tout. C'est vrai que j'ai beaucoup moins filmé que prévu. J'étais un petit peu fatiguée en arrivant. Les 2 derniers jours, j'étais aussi assez busy. Du coup, voilà, j'ai pris quelques images, mais j'ai pas filmé énormément. Donc c'est pour ça que, voilà, il y aura certainement pas beaucoup de contenu pour ces 2 derniers jours. Mais du coup, pour vous faire un petit update sur mon arrivée en Corée. Alors bon, finalement, le voyage, ça s'est bien passé. Bon, je me suis bien pété les genoux avec mes valises. Je me suis prise dans les jambes en fait, et du coup je me suis fait des super bleus. Donc du coup voilà, bon là il fait encore super chaud, il fait plus de 30 degrés, mais je pense que mes petites robes, je vais les laisser au placard parce que bon, vu la tête de mes genoux, j'ai pas spécialement envie de les montrer en ce moment. Mais bon, sinon à part ça, ça s'est bien passé. Évidemment, ni à l'embarquement ni à l'immigration on m'a demandé mon billet pour sortir du pays pour rentrer en France. Mais ça, de toute façon, je sais que c'est parce que je l'ai acheté. Si je l'avais pas acheté, je suis sûre qu'on me l'aurait demandé à 100%. Mais bon, voilà, en tout cas finalement tout s'est passé comme sur des roulettes. Ça a vraiment été super rapide. J'ai pu me trouver une carte SIM directement à l'aéroport. Alors bon, pour les cartes SIM, j'avais vu qu'il y a une compagnie qui s'appelle Mobile, je crois, qui fait des cartes SIM avec un numéro de téléphone que vous pouvez prendre pour 90 jours. Le seul truc, c'est que c'est assez cher. Il me semble que vous êtes obligé de l'acheter sur internet. Je crois pas que vous pouvez l'acheter directement au guichet. En fait, vous l'achetez sur internet et vous passez les récupérer à un guichet une fois que vous arrivez à l'aéroport. Et ça me plaisait pas trop. Du coup, finalement, j'ai été vers la solution de facilité. J'ai été chez SoftBank, qui n'ont qu'un abonnement avec internet, donc de data, mais qui est beaucoup moins cher. Alors bon, par contre, si vous voulez que la personne vous aide à régler votre téléphone pour ça, vous êtes obligé de payer 500 yens, bon, ce qui est un petit peu de l'arnaque. Mais je l'ai fait quand même parce que honnêtement, j'étais fatiguée. J'avais pas envie de me prendre la tête à régler mon téléphone pour une carte SIM. Et bon, par rapport au prix de la carte SIM, bon, voilà. Mais du coup, voilà, je me suis pris un abonnement de 3 mois. Donc c'est 50 gigas d'internet pour 3 mois. Et c'est un petit peu moins de 10 000 yens, donc ça doit être une 60aine d'euros à peu près. J'aurais préféré avoir un numéro de téléphone, mais bon, voilà, c'est pas la fin du monde. Et du coup, hier, j'ai été visiter 2 share houses, donc celles que j'avais contactées déjà avant de partir. Donc la première, elle m'a plutôt bien plu. C'est une share house qui est petite, il n'y a que 6 personnes qui peuvent vivre dedans. Là pour l'instant il y a 5 japonaises qui y vivent, et si je vis dedans ce serait moi, donc la 6ème personne. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Le proprio est super gentil aussi. Le seul truc, c'est que ma chambre, alors bon, déjà elle est au rez-de-chaussée, ce qui fait que du coup en fait s'il y a des gens qui vont dans le jardin et que j'ai mes rideaux ouverts, en fait tout le monde peut voir de ma chambre pendant la journée. Et aussi, le problème, c'est que le petit jardin, en fait, il a fait un espèce de toit de plantes. Donc du coup, j'ai pas énormément de luminosité dans ma chambre. Donc ça, c'est un truc qui me plaît pas trop. Aussi, une autre chose, c'est que apparemment, c'est pas le proprio qui définit les règles un petit peu de vie en communauté. C'est les filles qui décident ensemble. Apparemment, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, bon, j'espère que c'est effectivement le cas. C'est aussi les filles qui font le ménage, qui décident entre elles qui fait le ménage chaque semaine, comment, etc. Donc bon, ça aussi c'est quelque chose que voilà, je préfère quand c'est le proprio, quand il y a une femme de ménage qui vient, et quand c'est le proprio qui définit les règles comme ça, c'est vraiment carré et tout. Et le dernier point négatif, c'est que c'est un petit peu excentré, c'est à 1 heure en train à peu près de Shinjuku. Alors après c'est pas très difficile, hein. C'est un train direct vers la station de Yokohama. Si je veux aller à Shinjuku, je dois changer autre part, mais c'est juste un changement. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu plus loin de la capitale que ce que je pensais. Mais comme dit, voilà, la share house est sympa. Le quartier en lui-même, il est sympa en fait, même s'il est un petit peu excentré, il y a
en fait toutes les commodités vraiment dans les environs. Et le loyer n'est pas cher, donc du coup je pense que je vais choisir cette share house parce que celle que j'ai visitée après, alors celle-là elle me plaisait pas du tout. La station est beaucoup moins loin de Tokyo, le problème c'est que la share house est loin de la station. C'est un endroit qui est pas forcément bien éclairé, ça m'a pas l'air super sympa comme quartier non plus. La share house en elle-même, bah, c'est pareil, en fait c'est les résidents qui sont censés faire le ménage. Le problème c'est que il n'y a pas du tout de responsable du ménage, donc chaque semaine c'est vraiment s'il y a une personne qui trouve que c'est sale, bah, elle nettoie. Bon, quand j'ai visité la share house, je me suis rendu compte que bon, apparemment personne n'a vraiment envie de nettoyer pour les autres parce que c'était bien crade. Du coup voilà, je pense que j'ai déjà plus ou moins réglé la question du logement. Alors par contre la dernière étape si je veux habiter dans le logement que j'ai vu hier matin, c'est que je dois rencontrer au moins deux défis pour qu'on puisse un peu discuter et puis pour qu'on puisse voir un petit peu bah, si on s'entend bien et si on a vraiment envie de vivre ensemble. Donc ça c'est une des conditions du proprio. Ça m'a un petit peu étonnée à la base parce que c'est vrai que ça se fait pas trop au Japon, mais d'un côté je me dis que c'est plutôt pas mal vu qu'on va vivre ensemble et qu'en plus on va devoir décider de notre vie en communauté ensemble, c'est peut-être mieux bah, qu'on voit les choses un petit peu de la même manière, donc ça me dérange pas spécialement. Et si ça se passe bien demain, quand je les rencontre, ben normalement je devrais pouvoir emménager lundi, donc après-demain. Donc voilà, après comme dit, c'est pas forcément mon logement de rêve que j'ai envie d'avoir, la share house de rêve que j'ai envie d'avoir, mais je me dis que vu que de toute façon là mes options sont quand même assez limitées, vu que je vais chercher quelque chose à court terme, c'est pas plus mal pour 3 mois. C'est quand même possible de visiter Tokyo assez facilement. De toute façon, c'est pas comme si j'allais y aller tous les jours, vu que je suis quand même aussi là pour rechercher un travail. J'ai envie d'aller dans d'autres endroits que Tokyo aussi. Et je me dis que au pire, si je trouve un travail, que je reste plus longtemps et que bon, finalement, ça m'embête, je trouve pas ça pratique, j'aime pas trop la share house, bah, je peux toujours essayer de trouver un logement une fois que j'ai un visa et du coup à ce moment là bah, j'aurai plus d'options de toute façon. Du coup voilà, bon, c'était ma petite update. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose de spécial, on est juste sorti avec mon ami et ses enfants, on a été au zoo, donc pas grand chose à dire par rapport à ça. Je pense que une fois que j'aurai ma chambre dans ma share house, que je pourrais filmer un peu plus librement, j'aurai un peu plus le temps de faire un petit peu plus de contenu, mais de toute façon je vous tiens au courant une fois que j'ai trouvé ma chambre. Bye! Coucou! Alors on est 2 jours plus tard et c'est confirmé, je vais vivre dans les chambres dont je vous ai parlé plus tôt. Donc là je viens de l'intégrer il y a quelques heures. Bon alors je sais pas si vous voyez bien, mais bon, pour l'instant c'est encore un petit peu le bazar, j'ai pas encore vraiment déballé mes affaires. J'ai déjà été m'acheter un des bras de lit chez Nitori, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est un set, donc il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour mettre sur le lit, donc un truc pour mettre sur le matelas, les draps, la couette, l'oreiller. Donc j'ai déjà été acheter ça, et d'ailleurs c'est pas trop cher. Bon là c'est un peu plus cher que ce à quoi je m'attendais, c'était quand même 6 000 yens, mais disons que c'est quand même pas non plus un prix trop dégueulasse on va dire. Et du coup bah, c'est le proprio qui m'a conduit jusque là-bas, parce que de se trimballer avec ça jusqu'à la maison ça aurait été assez lourd, et le Nitori est aussi un petit peu loin. Et du coup maintenant il me reste quand même des trucs à acheter, mais je préfère y aller toute seule pour vraiment prendre mon temps, pour regarder un petit peu ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai besoin encore d'affaires de toilette, j'ai pas tout ce qui est shampoing et tout ça parce que j'ai dû les laisser en Corée chez ma pote. Bah j'utilisais ceux de ma pote. Je pense que je vais acheter aussi de la lessive. Il faut une crème pour le visage aussi parce que la mienne est presque finie. Donc je pense qu'il y a un Don Quixote, un méga Don Quixote d'ailleurs près du Nitori. Donc je pense que je vais retourner par là-bas. Bon, c'est un petit peu loin à pied, mais au moins ça me fera découvrir un petit peu le quartier. Je pense que je vais repasser au Daiso aussi, il y en avait un au Nitori mais il était petit et j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc je pense que je vais repasser là-bas aussi. Et du coup voilà, c'est un peu le programme pour ma journée, donc m'acheter les trucs qui me manquent, un petit peu aménager ma chambre, je pense que je vais passer un petit peu un coup de chiffon et un coup d'aspirateur aussi. Et du coup voilà, bah, je pense que c'est un petit peu la fin pour ma recherche de logement.
Finalement, je suis plutôt contente. J'ai réussi à trouver quelque chose en 4 jours, je crois. Je suis arrivée le 19, et là on est le 23, ouais, 4 jours. Donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mes colocs ont l'air sympas aussi, comme dit. On verra par la suite. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente de mon retour au Japon. J'espère que le reste, que la recherche d'emploi se passera aussi bien que jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, voilà, je sais pas trop où est-ce que je vais arrêter cette vidéo, si je vais encore filmer des choses. Je pense que je vous filmerai ma chambre une fois que j'aurai un petit peu aménagé aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est à peu près tout pour mon retour au Japon. Mais voilà, je pense qu'à partir de maintenant, ça sera plus des vidéos un petit peu sur mes aventures au Japon. Donc voilà, bye! Coucou, alors on est le lendemain. Là c'est bon, je me suis installée dans ma chambre. Donc, par rapport à hier, il y a eu un petit changement de programme. Finalement, j'ai parlé à une de mes colocs qui m'a recommandé un endroit près de chez moi pour acheter tout ce qui était produits de beauté. Donc il y a un drugstore qui s'appelle Sun Drugs, je crois, je suis plus trop sûre. Donc, de toute façon, j'ai filmé quelques vidéos un petit peu de l'extérieur, donc je vais vous les mettre par-dessus cette vidéo. Mais du coup voilà, elle m'a recommandé cet endroit qui a une quinzaine de minutes de marche de chez moi, je crois peut-être 20 minutes. Pas loin, il y avait un Seria aussi, donc c'est un peu comme le Daiso, c'est un magasin à 100 yens. Donc j'ai pu acheter d'autres choses, du coup j'ai pu acheter des produits de beauté, des trucs pour la lessive aussi, des petits trucs pour ma chambre. Donc voilà, je suis plutôt contente par rapport à ça. Bon, je pense qu'à un moment donné je passerai quand même Omega Don Quixote parce que j'ai pas trouvé de masque pour le visage, donc ça j'aimerais bien quand même l'acheter là-bas. Mais voilà, j'ai pu acheter plus ou moins tout ce dont j'avais besoin, donc je suis plutôt contente. J'ai pu m'installer dans ma chambre, je vais vous faire un petit room tour maintenant. Donc du coup voilà, ça c'est la vue quand vous rentrez, donc voilà, j'ai mon lit. C'est cool parce que en plus j'ai des prises de courant juste à côté, donc c'est pas mal pour charger mon portable. Du coup voilà, bon évidemment vu que c'est le Japon, l'air conditionné. Donc là j'ai une grande armoire, donc ça se présente un petit peu comme ça. Donc voilà, j'ai déjà mis mes habits. Je pense que par contre je vais réenlever les robes et rajouter plutôt des vêtements d'automne, parce que là la température va chuter, elle a chuté à partir d'aujourd'hui. Hier il faisait encore une trentaine de degrés. Et aujourd'hui je crois que le maximum ça va être 24 ou 26 degrés. Et la nuit 17, donc je pense que mes robes d'été, je peux les ranger. Mais bref, voilà, une grande armoire. Ensuite, j'ai une porte-fenêtre, donc je suis au premier étage. Et à l'extérieur, alors bon, je vais pas trop vous montrer vu que c'est les lieux communs, mais il y a un petit jardin. Et après, j'ai aussi un petit bureau. Voilà, où je peux poser mes trucs. C'est cool parce que ça fait coiffeuse aussi. Donc j'ai un petit miroir. Bon, là j'ai aussi mis 2-3 trucs. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. En plus, mon proprio, parce que il a vu que j'avais pas de cintre dans mon armoire et que j'avais pas de poubelle non plus, donc hier après-midi il m'a acheté une poubelle, une petite poubelle pour mettre des trucs. Bon, moi j'ai un sac plastique pour les déchets normaux et je mets les trucs recyclables dans la poubelle. Voilà, et il m'a aussi acheté des cintres du coup pour ça. Donc ça c'est ma couette que j'ai achetée hier. Donc voilà, bon franchement j'ai dormi dedans, elle est très confortable. Après comme dit, le prix c'était un petit peu plus cher que ce à quoi je m'attendais. Il me semble que dans le temps, mais c'était pas à Nitori, c'était peut-être, c'était un autre endroit, je sais plus où. Je sais où est le magasin mais je me rappelle plus du nom. Je crois que j'avais pu l'acheter pour dans les 3000 yens à peu près. Et du coup voilà, donc pour cette chambre je paye 57 000 yens par mois, donc tout inclus avec l'électricité, l'eau, internet, etc. Donc en euros, j'ai regardé un petit peu converti, ça fait dans les 300 euros, donc c'est plutôt pas mal. Après comme dit, c'est pas du tout dans Tokyo, hein, c'est dans une des préfectures aux alentours. Il me faut quand même un petit peu de temps pour aller à Tokyo, mais je peux être à Shinjuku en une heure à peu près d'ici, donc c'est pas non plus super loin. De toute façon comme dit, c'est pas comme si j'allais aller à Tokyo tous les jours, parce qu'après je vais aussi chercher un emploi, après il y a aussi d'autres trucs à faire par ici. Je suis pas très loin du mont Takao par exemple, je suis pas loin non plus de Yokohama. Yokohama je peux y aller avec juste
un train, donc c'est pas trop mal, je trouve. Et comme dit, bon, le quartier, bon, il est très résidentiel, hein, c'est vraiment beaucoup des maisons, donc des gens qui y résident. Mais quand on marche un petit peu, donc soit vers la gare, soit de l'autre côté, bah, y a beaucoup de magasins aussi, il y a plein de supermarchés, certains qui sont ouverts 24h sur 24, il y a des combini aussi, pas loin, il y a des karaokés, il y a plein de restos. Donc voilà, franchement, il y a un petit peu tout ce dont on a besoin. Et après, comme dit, si on marche un petit peu plus ou qu'on prend le vélo, donc près des stations suivantes, donc à une ou deux stations d'ici, il y a aussi là vraiment des grosses zones commerciales où il y a plein de choses à faire, donc un cinéma. Aujourd'hui, je me demande si je vais pas aller regarder le Uniqlo. J'ai vu que c'était à 35 minutes de marche d'ici, donc la station suivante. Donc je vais peut-être revoir, parce que le problème c'est que j'ai que des crop tops avec moi pour tout ce qui est t-shirt. Et le truc c'est que au Japon, bon, ils sont encore un petit peu pudiques. Et c'est vrai que j'aimerais bien me racheter des t-shirts longs. Donc je vais peut-être essayer de faire un saut à Uniqlo. Il y a des choses que j'ai oublié d'acheter aussi hier quand j'étais au drugstore. Et vu que c'est sur la route, bah, je pense que je vais repasser là-bas aussi. Il y a plusieurs parcs aussi dans les alentours. Il y a des musées. Il y a une bibliothèque. Je pense que je vais aller la checker peut-être aujourd'hui ou demain pour voir si c'est possible un petit peu de travailler là-bas. Et aussi le proprio, il est super sympa parce que bah, vu qu'on est pas juste à côté de la station, qu'on a un endroit un petit peu excentré entre guillemets, même si pour moi c'est pas vraiment excentré, en fait à chacune il nous donne un vélo, enfin il nous le prête le temps qu'on vit ici. Donc du coup j'ai eu droit aussi à mon vélo. Bon, pour l'instant je pense que je vais pas énormément l'utiliser parce que je connais pas encore bien les routes, donc essayer de trouver mon chemin tout en étant sur un vélo, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je l'ai utilisé hier parce que bah, ma coloc, donc après que je suis allée au drugstore, elle m'a aussi montré un supermarché qui est près de la station. Donc du coup on y a été ensemble. Et voilà, du coup l'emménagement s'est super bien passé, je suis bien installée, mes colocs sont super sympas. Du coup voilà, hier soir on a passé la soirée ensemble. En plus mon proprio, il nous avait acheté des trucs, il nous a acheté un gratin dauphinois, du pain, des macarons et aussi des gâteaux. Donc vu que je suis française, pour qu'on puisse faire un petit dîner ensemble, donc un petit, une petite welcome party on va dire. On a aussi un projecteur dans le salon, donc du coup voilà, on peut regarder la télé ou Tiver, donc c'est un truc de replay de ce qui est passé à la télé dessus. Je crois que les filles elles regardent aussi pas mal de dessins animés et tout ça. Bon, après je vais pas vous filmer les lieux communs parce que voilà, tout le monde les utilise, mais franchement c'est super bien, c'est super confortable. C'est propre aussi, bon, même si on doit faire le ménage nous-mêmes. Donc voilà, franchement je suis contente de mon logement, ça fait un truc en moi dont j'ai besoin de me soucier. Franchement c'est confortable. Et du coup bah maintenant ce qui est bien c'est que je vais pouvoir me concentrer à fond sur ma recherche d'emploi, aussi bah, visiter Tokyo, essayer de faire un maximum de contenu aussi pendant que je suis ici, bon, en espérant que voilà, j'arrive à trouver quelque chose et à rester plus longtemps. Du coup voilà, bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo plus ou moins ici parce que c'était un petit peu le plan de filmer mon arrivée au Japon, ma recherche de logement et du coup bah, mes impressions. C'est super bizarre en fait parce que du coup voilà, je suis de retour au Japon depuis 5 jours et en fait je pensais que voilà, j'allais avoir ce feeling de oh là là, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement bizarre de revenir au Japon et tout. Bon, après j'y étais en novembre, donc c'est peut-être ça aussi. Mais en fait, c'est bizarre parce que je suis arrivée et en fait, je suis tout de suite rentrée dans le bain. En fait, c'était à bas. Voilà, je suis de retour, je suis chez moi. Donc ça fait assez bizarre en fait. Je pensais vraiment que j'allais avoir ce petit sentiment de nostalgie de revenir après autant d'années. Mais finalement pas du tout. Alors bon, après je sais pas si c'est le fait que je viens de la Corée qui ressemble quand même plus au Japon que la France ou le Canada, ou comme dit si c'était le fait d'être revenue déjà en novembre. Bon, c'est vrai que quand j'étais venue en novembre j'avais ce petit oh là là, ça fait tellement longtemps. Bon, surtout que c'était Osaka, donc c'était vraiment la ville où j'avais vécu. Ici j'ai jamais vécu, donc du coup voilà, je pense que c'est aussi un petit peu ça. Mais voilà, en fait je suis vraiment rentrée dans le bain et c'est bon, en fait c'est comme si j'avais jamais quitté le Japon quoi. Donc voilà, comme dit, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici
Et donc attendez-vous dans les prochaines semaines à plus de contenu sur le Japon. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, j'ai plein d'idées mais c'est pas encore super clair. Je pense que je vais faire un petit peu des vlogs, des vidéos aussi culturelles sur le Japon, peut-être les événements au Japon et sur plein de choses, la pop culture aussi au Japon, peut-être l'histoire japonaise. Voilà, je sais pas encore trop. En tout cas, si ce genre de contenu peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc je vais vous les remettre quelque part, donc certainement sur l'écran et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, matane!